Salut, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La retrouvaille de Bianca. Pardon, excusez-moi. De Pokémon Noir 2. Bon bah, allez, on continue. Frérot, coucou! Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Tu connais le professeur qui était Léria, mon trésor? Une célébrité Célébrité. spécialiste des Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais dis-moi mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Oui. Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex? Ah, tu tiens de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas? Cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon? Question suivante. Alors, voudrais-tu un Pokédex? Oui. Deuxième étape. Réglé. Hihihi. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistance de Cattleya. Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Désolé, je suis fatigué. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'arrêtera, t'attendra. Et parce que je suis un peu de travers pour la caméra et c'est super dur à faire. Ouais. Oh bah. Elle doit te donner ta tam, un Pokémon et un Pokédex. Tu t'y attendais pas, je parie, hein. Au fait, j'ai mis le Voki dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir, non? Bah oui. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme et énorme et énorme chapeau. Vert. Vert. Je suis. Comment c'est la première fois qu'elle vient ici? Je ne serais pas surprise. Sois perdu, va la chercher. Alors, on va y aller là. Perso, je sais où elle est. Toi, tu sais? Ouais. C'est Ouais, tu facile. crois que j'ai tout droit? Ah, c'est Frérot, ah là qui? c'est Matisse. Ah oui, c'est avec sa sœur. Alors, ça y est. T'as T'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Il n'y a pas de dresseur dans tout. Dans ce trou perdu. C'est d'un barbant. Y a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon. Sérieux? Si tu reçois un Pokémon, surtout, prends-en grand soin. Elle a raison. Allez, on va le chercher, ton Pokémon, parce que j'ai des trucs à faire avec toi. Il n'y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va? D'accord, allez, au revoir frérot. Bon, faut qu'on trouve Bianca. C'est ça? Allez. Bon, bah, on y va. Finalement, arrête, c'est une série, toi. Alors là, c'est le labo. Je crois, je suis pas sûr. C'est bien le labo là-bas. Ah où Peut-être, j'étais. ouais. Gauche. Je sais. C'est Ah oui, c'est pratiquement loin, là. évident ici. Attention, on va avoir affaire à une cinématique, je crois. Moi, enfin, je suis pas sûr. La colline! Je suis sûr qu'elle est sur la colline. T'as bien chose là? C'est une fille, elle veut admirer le paysage, surtout si elle n'est jamais venue à Pavonnet. Allez, va récupérer ton Pokémon. Et...
Quel beau paysage. Dis, tu n'es pas d'accord? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Bianca. Je suis l'assistante du professeur Keteleria. Tu habites ici? Alors, tu pourrais m'aider? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Frérot. Excuse-moi. Tu connais cette personne? Ah, justement, des lunettes. Mais... arrête, j'ai pas eu le temps de lire. Oh merde. Bonjour, je suis trop contente qu'on se rencontre. Bon, je dois te poser quelques questions, d'accord? Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Merci. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. Bah. Et c'est quand qu'on me donne mon Pokémon? Et maintenant, ta dame, ton futur parvenu. Pardonne. Alors, on va prendre... Excusez-moi. Alors, qui allons-nous prendre? On va prendre de... Allez, Gricuit. Bah, ouais, mais il est bien aussi, Vipélire. Bah, déjà, on prend pas Moussillon. Quel choix. Qui pourrait? Pile ou face? Pile. Ok, bon, ça va être VIP hier. Excusez-moi, gros doigt là. Allez. Pokémon de type plante, Vipélière. Oui. Attention. Frérot, obtient un Vipélière. Je me demande ce qu'il a comme attaque. Charge, pareil, et gros yeux. Un Vipélière, c'est un choix parfait pour toi. Vous vous rassemblez, ressemblez. Tu veux lui donner un surnom? Non. Si, on va si, allez, oui. On va l'appeler... Pépinière... Feuille... Non, Allez, Feuille de chou. YouTube. Non. Non, un nom qui ressemble à... Feuille de chou. La vipère. Vipère, ouais, vipère, allez. Allez. Alors la caméra. On va surlever. Alors, Vie. Ok. Voilà. Désolé. Vipère, ça te va comme surnom? Excusez-moi. Oui. Je trouve que c'est un super nom, Vipère. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Bianca, étape suivante, le Pokédex. Et voilà, on a reçu le Pokédex. Bianca. Le Pokédex, alors, c'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie, je te jure. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites Unis partout, pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. Qui vivent. C'est pour aider le professeur Keteleria, tu comprends? Bah là, je pense qu'on va se diriger en dessous. Et lui, il est jaloux, ouais. Là. Puis jaloux. Il va c'est ça, un petit jaloux, ça. C'est tous les matisses, c'est que des jeux, les matisses. Attendez une seconde, on va juste régler un peu la caméra. Parce que tout à l'heure, on a bougé, sauf que... Non, bouge pas ça. Voilà, comme ça. Ouais, excusez.
Alors, bon, Bon. tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors, c'est lui ton partenaire? C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine, il faut en prendre soin. Ce truc-là, c'est quoi? Bianca, c'est un Pokédex! J'en veux un moi aussi, je veux devenir plus fort. Avec le Pokédex là, je connaîtrai mieux les Pokémon, donc je deviendrai plus fort. T'es qui toi? Moi, Moi, c'est c'est Matisse. Matisse. Je cherche quelque chose d'important. Alors, le voyage dans une liste avec mon partenaire Pokémon. Et au pire, moi je fais Matisse et toi t'es Bianca. Ok. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex de trop. Le Pokédex vive de plus en Les même. Pokémon. Excusez. Les Pokémon vivent de plus au même endroit que quand j'avais exploré une liste. Plus on est des gens les étudier, plus on aura des bons résultats. Bianca. Dites, j'ai une idée. Vous avez des Pokémon tous les deux. Vous pourriez faire un duel? Bah, on va attendre, mais Pour on la va. prochaine vidéo, ça sera le duel Matisse contre Frérot. Et c'est Et maintenant, à yo tout plus! le monde.